La nuit, il vous illumine. Un éclair de guenille. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Oui, petite parenthèse, tu es encore en contact avec Maître Games? Plus du tout. Ah non, non, quel grand dommage. Ah ouais, depuis qu'il a ouvert sa salle de sport. Il a ouvert une salle de sport. Tu ne réponds pas non plus sur Instagram, lui, c'est ça. Malheureusement, j'ai plus de contact. T'aimerais bien, je sais pas, recollaborer? Rien faire, non, rien du tout. Ah, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un dossier. C'est juste que c'est le passé, allons dans le futur. Qu'est-ce qui s'est passé, Kelly? On est là pour en parler. Non, mais dites-nous, quoi. Il vous a proposé quelque chose et il n'a pas tenu ses promesses? Voilà, un peu comme beaucoup de personnes dans ce milieu-là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez promis? Non, rien de dingue. C'était de continuer à faire une espèce de saga, continuer en tant qu'actrice après Bella, voilà, faire des shows ensemble, faire des tournées ensemble. Voilà, quoi. Parfois, il y a des projets musicaux qui changent, il y a des alternatives qui s'offrent aux artistes. Il y a peut-être sa femme qui a dit, écoute, elle est trop Bella pour la laisser partir. Ah, c'est ça. Mais c'est bizarre comme je connais. Elles sont jalouses. Ouais. C'est ça. Elles sont mauvaises. Alors qu'elle a un talent de comédienne qui est libre, mais vraiment. Oui, mais dans vraiment, les dégâts. Alors toi, t'es dégueulasse. Non, c'est pas eux. Non, mais vraiment, je suis premier degré, vraiment. Vraiment, je suis premier degré de ouf, parce que Bella, je connaissais la chanson par cœur et tout machin, j'avais jamais vu le clip. Et le clip, je l'ai vu il y a même pas un mois, et elle a vraiment un vrai rôle dedans, mais vraiment. Et j'aime beaucoup le rôle, j'aime beaucoup comme elle interprète, vraiment. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.